Salut, c'est Fred. Dans cette vidéo, je vais te parler de Zenic, le nouveau projet à la mode ces derniers temps. On va faire le point sur ce site, les éléments que j'ai pu trouver et enfin ce que je pense de cette plateforme et si je compte investir dedans ou pas. On regarde ça juste après l'intro. Aujourd'hui, on va parler de Saphir Zenic, la nouvelle Opportunités dans la blockchain qui se présente donc comme le futur de la blockchain dans le domaine de la finance. L'idée c'est de simplifier les paiements et les échanges cross-blockchain en créant une nouvelle blockchain qui se nomme Zenic. Pour cela, il s'appuie sur des partenaires parmi lesquels on trouve une banque d'investissement qui se nomme OCS International Commodities and Investment et la famille royale de Dubaï. Alors j'ai regardé plusieurs présentations de cette société. J'ai enquêté sur les différents aspects de ce projet et on va regarder ensemble ce que j'ai découvert. Ensuite on fera le bilan de tout ça et je te donnerai ma note de confiance envers cette plateforme et si je compte investir dessus ou pas. Ici on fait des vidéos sur plein de programmes qui te permettent de générer des revenus passifs. Si toi aussi tu souhaites arrondir tes fins de mois et te dégager du cash pour réaliser tes projets, abonne-toi et active les notifications pour être informé des dernières nouveautés. Si jusqu'ici ce que t'as vu t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, ça montrera à YouTube que mon contenu est de qualité. Donc pour faire simple, l'activité est séparée au sein de deux sociétés distinctes. La première c'est Zenic Technologies LTD, qui est responsable du développement de la blockchain Zenic. La seconde, c'est Saphir Global qui est responsable de la commercialisation des hubs. Ce sont des machines qui serviront pour le minting du Zenic coin. Le concept de base, c'est d'investir dans cette machine, ce qui te permettra de générer des Zenics que tu pourras échanger contre des Éthers. Les packs d'investissement démarrent à 100 euros et vont jusqu'à 86 000 euros pour cette première phase qui va de février 2021 à février 2022. Voilà pour la brève présentation du projet. Je vais quand même parler brièvement des choses qui me dérangent. Si on en croit le projet, il s'agit d'une blockchain supplémentaire sur le marché, comme peut l'être Bitcoin, Ethereum ou encore Tron. Or, au moment où j'enregistre cette vidéo, rien concernant cette blockchain n'a été publié. On ne trouve aucune information nulle part. La seule chose que l'on sait, c'est que le hub servira de node pour le mining. Second point, quand on parle du Zenithcoin, on se rend compte que ce n'est rien d'autre qu'un smart contract sur Ethereum, comme ont pu l'être de très nombreux autres tokens, pour certains bien foireux d'ailleurs, euh, comme par exemple chez PetronPay ou encore chez Green Gold. Au passage, dans leur communication, ils indiquent que le hub, le fameux appareil qu'ils te vendent presque 2000 euros, servira pour minter. J'ai bien dit minter et non pas miner des Zenithcoins. Quand on parle de smart contract, la fonction mint d'un contrat permet d'émettre de nouveaux jetons juste en exécutant cette fonction. Et dans ce cas précis, c'est ce qui se passe. Pour ça, il suffit de lire le code source du smart contract sur la blockchain. Aucune interaction avec du matériel n'est nécessaire. Dans ce cas, le matériel sert uniquement à savoir à qui distribuer ses tokens, mais en aucun cas, le matériel vendu, ou plutôt concédé pour 20 ans, ne sert physiquement à générer des tokens. Après, je ne suis pas un spécialiste de la blockchain et je peux me tromper. Donc si un pro de la blockchain passe par là et estime que je me suis trompé dans ce que j'avance, qu'il n'hésite pas à se manifester dans les commentaires et à me corriger. Là déjà, pour moi, l'offre n'est pas super claire et les informations se contredisent un peu. On va maintenant aborder rapidement le plan de parrainage. Alors autre point déterminant dans cette offre, c'est son programme d'affiliation. En effet, très souvent, quand une nouvelle société fait vraiment le buzz, on n'a pas besoin de chercher bien loin d'où peut venir cet engouement pour Saphir Zénic et j'ai très vite trouvé. Son vrai point d'attractivité, c'est son programme de parrainage. Il y a trois modes de rémunération. La première, c'est la prime de, de parrainage, qui pour le niveau 1 est de 9% pour toutes les ventes qu'on réalise et une rémunération qui va jusqu'à 15 niveaux en profondeur. Des primes de carrière allant de 300 à euros à 2,5 millions d'euros. Et enfin un bonus de performance qui est versé chaque mois. La société indique clairement dans sa documentation qu'elle reverse jusqu'à 69% des montants encaissés. Autant dire que tout ça me fait encore plus penser à un schéma typique des pondis. Presque 70 c'est juste hallucinant, et ils osent encore dire que leur activité n'est pas financière. Sans compter qu'avec les 30 restants, j'ai encore du mal à croire en la véracité ultime du projet. Bref, passons. Alors dans ce cas précis, on a deux sociétés à vérifier. La première, c'est Zenith Technologies, et la seconde, c'est Saphir Global DMCC. On va commencer par Zenic Technologies qui est enregistré à Dubaï au DIFC, zone qui est dédiée aux activités financières et aux activités connexes à la finance. On va donc se rendre sur le site du DIFC pour voir si la société est bien enregistrée. Donc, j'avais déjà fait la recherche en amont et donc voilà le résultat. Donc, la société existe bien. On est bien sur le site DIFC.AE. La société existe bien. Zenic Technologies. Elle existe depuis le 24 mai 2021, elle expire le 23 mai 2022 et son activité ben c'est euh, tout ce qui est développement et euh, cybersécurité mais en aucun cas on parle de finance, on parle de tout ce qui est autour de la finance mais pas la finance. À mon sens, c'est plutôt cohérent vu que euh, son objectif premier c'est de développer une blockchain. Et j'ai quand même vérifié les textes en vigueur auprès de la DFSA. La DFSA, c'est le régulateur de la zone DIFC. Et à ce jour, ben, il n'y a aucune obligation de licence pour exploiter dans les crypto-monnaies. On va maintenant parler de Saphir Global DMCC. Et Saphir Global, euh, c'est donc la société qui est chargée de commercialiser le matériel informatique, si on en croit la présentation. Pour vérifier ça, on va se rendre sur le site du DMCC. J'y étais évidemment. En amont, j'ai fait la recherche et je voulais quand même préciser le DMCC, en fait, c'est une free zone à Dubaï. Ça veut dire que on n'a absolument aucun impôt à payer là-bas. Donc là, j'ai fait la recherche de mon côté. Il y a 19 000 sociétés à peu près qui sont euh, enregistrées au DMCC. Et Saphir Global ressort bien ici avec comme activité commerce de logiciels et négoce de matériel informatique. Donc, encore une fois, pas dans la finance. Et d'ailleurs, c'est le cas pour l'activité des deux sociétés. Aucune n'est dans le domaine financier, elles sont toutes dans les domaines informatiques. Ça peut correspondre en fonction de l'angle dans lequel on regarde. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est que toute leur communication est faite autour du domaine financier et non pas dans le domaine informatique. On trouvera même dans leur présentation, par exemple, le fait qu'ils vont bientôt sortir une carte de paiement. Or comment ils veulent sortir une carte de paiement s'ils n'ont même pas une simple licence bancaire. C'était euh, la petite parenthèse, mais euh, on attend de voir. J'attends de voir parce que là-dessus, je comprends leur stratégie et je comprends pourquoi ils ont déclaré cette activité, parce que au fond, elle est cohérente, c'est juste que leur communication n'est pas cohérente avec ce qu'ils font. C'est juste ça. On va donc maintenant passer aux partenaires. On va maintenant s'intéresser au partenaire de Zenic et plus particulièrement son partenaire financier qui est OCS International Commodities and Investment. J'insiste sur le nom complet car si on se contente d'une recherche avec OCS International, ce n'est pas la bonne société qui ressort. En tout cas, pas celle qui est annoncée comme partenaire de Zenic. On va donc se rendre sur ce site et là on peut voir tout en bas de la page. Donc là je suis allé sur le site ocs-investment.com. Et tout en bas, on a ADGM Digital Asset Li License Under Process. Donc ce qui veut dire qu'à ce jour, ils n'ont pas de licence. Pas de licence bancaire ou financière. On va quand même vérifier sur le site de l'ADGM et faire une recherche. J'ai fait la recherche en amont. Et quand on tape... OCS, je vais le refaire avec vous. OCS. International. Juste ça. Donc voilà. Même avec OCS International, on a un seul résultat qui sort et c'est pas eux. Et si je mets le nom complet. Et je refais une recherche. Pas de résultat. Et ça. Pour moi, c'est plutôt contrariant. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils ont un partenaire financier qui, lui, n'est absolument pas régulé. Alors, j'ai regardé OCS International, apparemment, ils ont plusieurs structures avec les mêmes personnes à la tête, et les autres sont régulés. Mais celle qui est présentée dans leur documentation ne l'est pas. Et ça, pour moi, c'est carrément un drapeau rouge. C'est. Euh, c'est rédhibitoire, ils ne sont, euh, sont pas régulés alors qu'ils prétendent l'être. À la limite, ils en parlaient pas. Bon, j'aurais cherché, je vous aurais dit, ils sont pas régulés, mais ils se vendent pas de lettres. Là, ils présentent un partenaire qui est censé être une banque, qui est censé être régulé et qui ne l'est pas. Donc, c'est encore pire que de pas en parler. On va maintenant passer à mon analyse. Donc si je me fie à ce que j'ai trouvé, cette offre n'est rien d'autre qu'un énième smart contract où les gens vont pouvoir générer des revenus tant qu'il y a des gens qui rentrent. Après lecture du code source du smart contract, il n'y a rien d'extraordinaire dedans, les administrateurs peuvent émettre autant de tokens qu'ils le souhaitent et ça sans aucune limite, c'est du mintage. Autre élément que j'ai pu repérer mais dont il n'est question nulle part dans les... présentations. C'est que le token peut aussi être brûlé, ce qui veut dire que les administrateurs peuvent détruire des, autant de jetons qu'ils le souhaitent, ce qui permettra de pouvoir faire augmenter un peu le cours. Le problème dans ce genre de situation, c'est que tant qu'il n'est pas accessible sur d'autres échanges qu'Uniswap, e son cours restera artificiel car il est manipulé par un pool de liquidité sur Uniswap. E plus il y a terres dans le pool, plus le prix du token grimpera. Plus les gens swap leur token moins le token vaudra. Pour l'instant, je dois dire que je ne comprends pas trop comment ils ont, pré ils ont prévu d'alimenter ce pool en plus. Le fait que leur partenaire n'ait aucune licence financière me dérange beaucoup aussi, car c'est un des éléments clés de leur présentation pour asseoir leur crédibilité. Au final, cela me fait penser à un projet très basique dans le fond, mais avec une belle histoire autour. Précisons-le, on reçoit des tokens en échange d'un investissement token qui prend de la valeur avec le temps dans l'espoir que celui-ci se retrouve un jour référencé sur des plus gros exchanges que juste Uniswap. Il prévoit d'autres services comme un exchange décentralisé qui devrait arriver d'ici quelques temps. Mais tout cela n'est pas encore disponible à l'heure actuelle et donc reste très hypothétique. Au même titre que leur blockchain où on n'a toujours pas vu de traces. On va maintenant passer à ma conclusion. Un projet qui de prime abord semble plutôt intéressant avec des rendements plutôt sympas, mais le Zenicoin n'est pas à moyen terme une valeur sûre à mon sens. Cette blockchain va-t-elle vraiment voir le jour? Les appareils commandés seront-ils vraiment livrés? Pour l'instant, rien n'est sûr. Il y a encore de nombreuses questions sans réponse aujourd'hui, il ne s'agit de rien d'autre qu'un simple smart contract Ethereum, comme il en existe plein. Ma note de confiance pour ce projet est de 3 sur 10. Tout simplement parce qu'il y a quand même de l'idée derrière. Comme vous vous en doutez, je ne vais pas investir sur cette plateforme et je vais tout simplement passer mon tour. Avant de se quitter, je te rappelle que tu peux échanger avec nous sur Discord. Le lien du serveur est dans la description. Tu trouveras également le lien de notre canal News Telegram. C'est tout pour cette fois-ci. C'était Fred pour les disrupteurs et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao